Sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation de panneaux. Regardez, là actuellement, j'ai mis un panneau sur cette page web, sauf que le panneau se retrouve en dessous du pied de page, ce qui ne m'intéresse pas, quoi. J'aimerais que ça soit au-dessus. Alors, comment est-ce que je fais ça? Quand je veux déplacer des panneaux sur mon site, comment je fais? Je vous rappelle que nous travaillons avec l'outil Sheeta de la plateforme Budroll pour cette présentation. Du coup, je vais aller sur l'éditeur pour montrer comment vous faites ça. Donc, actuellement, notre panneau se retrouve en dessous de notre pied de page. Et nous aimerions que ça soit au-dessus. Okay. Donc, pour cela, je vais cliquer. On veut accéder aux fonctionnalités du panneau. Donc, pour ça, je clique sur le panneau correspondant et je vais cliquer sur le crayon. Où je fais clic droit directement sur le panneau correspondant et j'aurai toujours ces fonctionnalités. Je scroll vers le bas. Et là où nous pouvons régler ce problème, ça s'appelle organiser les panneaux. D'accord? Je clique dessus. Actuellement, je suis sur le panneau là. Donc, du coup, il a bien sélectionné. Et je vais remonter un peu plus. Donc là, on n'a que trois panneaux. Donc je sais que je veux être après le panneau blanc. Okay? Quand c'est blanc, c'est vide, il n'y a rien dessus. Mais on sait qu'il y a un panneau là-bas parce que le fond, il est blanc là. Okay? Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus et de le glisser là. Ok? Du coup, je vais me positionner là où je veux que ça soit. Et pour que l'effet soit exécuté, je vais cliquer sur déplacer. Et vous voyez, ça s'est déplacé et ça s'est mis en dessous. On enregistre, on publie. Et on aura notre panneau qui va s'afficher au bon endroit sur le site à proprement dit. Donc si je retourne, là, je recharge cette page. J'ai mon panneau au bon endroit. Ok, donc c'est comme ça que vous déplacez les panneaux. Donc quand vous travaillez avec plusieurs panneaux, au lieu d'utiliser la flèche pour déplacer, avant il y avait une flèche pour déplacer et ça mettait tellement du temps. Donc en déplaçant ici, ça va un peu plus vite et c'est super. Ok. Si vous avez des questions ou des remarques, sachez qu'elles sont les bienvenues. Pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site internet, nous avons créé une plateforme de formation gratuite. Hein. Si c'est votre cas, allez sur notre site web, le site web de l'agence AW2.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous scrollez vers le milieu de la page d'accueil et vous avez un bouton « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus et vous créez votre compte gratuit. Donc avec votre compte gratuit, vous avez accès à la formation, à tous les tutos pour pouvoir créer votre site internet à partir de zéro. Et aussi, vous avez des modèles que vous pouvez télécharger, des templates que vous pouvez télécharger. Modifier pour votre site internet, pour créer votre site internet. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE et abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain épisode. À très vite.